Bonjour Ninja, c'est Muscatchoc, bienvenue pour un nouvel épisode et une nouvelle session de Rise of the Tomb Raider. À la fois, on avait fait 30 minutes de gameplay, et pas mal de cinématiques et peu de gameplay. Et là, on va essayer de faire, on va continuer le jeu. Il est tard le soir, alors si vous entendez caca ronfler, c'est mon fils qui est pas très loin, qui est en train de dormir derrière moi. Si vous entendez le chien couiner, c'est normal, il couine la nuit. Et les petits parasites, toujours mon casque qui tire par l'oreille, qui risque de tomber, etc. etc. Ok, comme là, il vient tout juste de tomber. Allez, on va continuer. On va reprendre là où on était. On avait découvert justement le tombeau du prophète. Je suis désolé pour le bout du casque là. Ça me le coince à l'oreille. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Ça dépend quand vous avez. Vous voyez cette vidéo là. Là, je la tourne le 20, le 25 dans la nuit ou le 26 au matin. Ça dépend comment vous interprétez la chose. Mon casque me saoule, il va rester pendouillé. Alors, j'étais arrivé là. Une bataille a eu lieu ici. Explorer le tombeau. Des soldats en armes contre des Tirer. pèlerins croyants. Ça, c'est L'ordre de cheaté. la Trinité. Moi, tout ce que je veux. Tout ce que je veux, moi, c'est. Mon fils, l'ordre de la L'arc. Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète, mais il semblerait qu'il soit encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué? Excusez-moi pour le bruit. Hein. Comme par hasard, le son qui sort de mon casque sort que du côté où, de l'oreillette qui est cassée, qui pendouille. Il sort plus de l'autre côté. Comme par hasard. Mais bon, bref. Ça, c'est bien qu'il y ait des objets, ils nous le disent. Comme ça, on n'est pas obligé. Je peux pas, de vous lire. Question de flemme. Je Le rigole. prophète, exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. Okay. Ah, j'ai pas envie de tirer. Bon sang, j'étais presque. Ouais, je suis obligé de tirer. Ok. Ok, pour les pièges, ouais, par contre, ça, attends, je sais pas de qui à l'arme à feu. Ça va être bon. Ils vont forcer le passage Comme pour aussi entrer. sexy cette là, quoi, putain. Bon, par hasard, ça peut pas être simple, ça va être trop beau, trop facile et trop beau pour être simple. Ah, t'as vraiment pas ce que je vois, on peut pas. On peut pas plonger? Ah si, quand même. Tu lâches pas plus vite? Ah, tu veux que ça flotte, tu veux pas tomber ça pour que ça flotte. Tu vas peut-être pas me dire que tu vas pas tirer. Ah, tu veux pas tirer. T'as pas envie de tirer là comme ça. Ah, on peut monter là-dessus. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, j'essaie de plonger comme sur les anciens Tomb Raider, voir si ça marche. Je sais pas si ça va pouvoir. Non, c'est pas ça. Ok, non, déjà, non, bah. Ah, non. Ok, t'as pas envie de plonger. Ah, t'es déjà mouillé, toute mouillée, c'est stylé. Allez, la crasse avec la poussière et l'humidité.
Ça, bah, on le disait tout le temps, nous avançons à faire ça, on n'a pas le choix pour essayer de rien rater. On s'arrête. Pas de QTE. Ok, c'est bon, on peut. Ok. Dès qu'on fait une action, on gagne des points d'expérience. Oh, ça va plus. Non, mais je sais pas. Mais genre, elle a le temps de se recoiffer. Incroyable. On a réussi, papa. Je suis sûr qu'il fallait tout là-bas. Fouiller partout, ça c'est l'habitude de jouer dedans comme ça. Ah si, c'est oh, c'est juste quoi pour plonger? Ça va, c'est bon. Allez, si tu nous dis la solution, moins grimper, il faut remonter le niveau d'eau. Ah, on n'est pas que deux, nous sommes attendre alors que c'est sacré ça. Comment ils ont vachement simplifié les jeux vidéo maintenant, c'est abusé pour tout le monde y joue, ils ont tout simplifié. Il fait de la merde. Ok, je vais la trappe. Ok, ça sert à rien ça. C'est bizarre qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien à fond dedans. Vas-y, plonge. C'est bizarre qu'il n'y ait quand même rien à fond dedans. Bon, il y a quoi par là? Yes. Bon, je peux pas monter. Ouais, je vais voir si je peux pas monter, voir qu'est-ce qu'il y a en haut. Parce que je suis sûr. Ok, il va falloir monter pour la suite. Alors, je vais voir. Fallait quand même un petit peu assez fort, mon micro, quand même un peu. Loin de moi. Pas plus en paix. Ok, que ça. Mon truc. Les matériaux, c'est pas mal. C'est où le temps ailleurs où on devait chercher des clés avec des énigmes incompréhensibles. Ah, un grand pièce, c'est pour ma gueule. Bon sang, ils vont réussir à entrer. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète est mort. Je vous le promets. J'ai vu si c'est pas bugué. Attendez un peu pour vérifier que c'est pas bugué, mon casse, mon baguette, c'est. Bah, attendez, je la remets. J'ai tourné la tête, parce que en fait là, je joue pas sur le micro de PC, je joue sur ma télé. Parce que j'ai pas la prise HDMI sur la PlayStation, sur la Xbox. Oh là là, c'est casse-cou, c'est casse. Voilà, vas-y, on s'en fout, je continue. J'ai les sous-titres, si j'entends pas le son. Il faut.
quoi ça? Allez là-bas. Non, ok, attends. Allez. Puis je pleure beaucoup ce moment, hein. On est tard le soir. Je suis un peu fatigué de ma journée. Et puis mon fils qui dort, je pense trop. Alors putain, comme elle est morte dans le coup, j'ai pas eu trop de faire de bruit de parler. De toute façon, on a poisson, on explore pas ce temps. Ok, okay. Donc, je vais me concentrer plus que ça par contre. Ok, alors ça c'est bien ralenti, on a bien, bon, ça, c'est, on a bien le temps de tirer. Hein. Monter le niveau de l'eau. Donc, oui, de toute façon, je vais y voir. Maître, je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles, armés et dévoués. Et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqués sur la route, mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous en avons laissé s'enfuir un, et nous l'avons suivi jusqu'à l'oasis. J'ignore si le prophète a survécu, ou si un autre porte ses habits, mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir. Et cet endroit deviendra réellement un tombeau. Ah bah j'ai vu ça, avec tous les cadavres qu'il y a par terre. Là. Vous êtes bien bastonné là. La gueule, j'ai plus de... Baf. Ok. J'ai vu ça après là-bas, la planche. Je peux pas retomber ça. Où ça redescend? Ok. À un moment, ça devrait le faire. Ok. Ça va vraiment faire monter l'eau, hein. Enfin. Ok, avec ça, on va faire... Voilà. Sur les énigmes que j'ai connues. Voilà. Prends ma gueule tout à l'heure, t'as tapé dans la gueule, ça t'a. Ça t'a pas propulsé comme ça, moi. Ah, il y a un petit son là. De la télé. Je suis désolé si vous l'entendez, enfin, je suis désolé. Bon, en tout cas, c'est beau. Hein. On est que sur la 360, hein. La fin de la 360. Hein. C'est un gros fake. Une ville à la tombe. Ah, les surprises! C'est logique, si t'avais pas fini le jeu dès le début, la première mission. Posez les explosifs! Et tout faire péter. Le tombeau du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact. Genre, elle a eu le temps de refermer le tombeau.
extrêmement dangereux. Ah, c'est planqué dedans, je suis sûr. Ah, Lara, lui dit que ça peut être dangereux, alors faut prendre des précautions. Lara, ou tout ça comme ça à l'arrache. Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Quoi, c'était une mauvaise planque, c'était sûr qu'il y avait l'over là, ça quoi faire. À terre. Allez, boum. Ah, c'est une bonne planque. Oh, je suis obligé de prendre l'arme à feu. J'ai eu mon arme. Voilà. Comme dans ton Rider, dès qu'on finit un truc, on trouve un artefact. Une comme ça, et à la fin, parce que tout c'est cool. C'est bon, il faudrait me parler. Tu sais qu'il faut qu'on se dépêche. C'est ça qui devrait ton gros cul, tes pétasses. Oh, le manque de respect à Lara Croft. Allez, cours, cours, cours. Bon, ça va. Mais qu'est-ce que c'est? Tiens, comme par là. Elle tombe pile-poule sur un symbole. Ok, 2 kills à l'arme. Ok. Bah voilà le manoir des Crofts que je parlais dans la première vidéo. Je fais, c'est bizarre, elle est dans un petit appartement. Elle avait quitté papa et maman. J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui. Je crois qu'il était dans le premier, lui. Suivi. Quoi? Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide. Mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète? C'est le même symbole. Lara, si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie? Tu te fiches de moi? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines? Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah... On a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Et je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Ah, voilà, c'est ça, c'est sur lui le Commander 2013. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. T'entends le temps, ça fait des artefacts. Pour être immortel, etc, etc. Et là, dans le présent et le futur, il n'y a rien du tout. Comme elle disait ça.
Sans, tu vas quand même y aller. Je connais Lara. T'es-tu comme tu es. Je suis très content. Ça se dit pas très content. Je suis vraiment content de pouvoir jouer à Lara Croft. Ah, je joue à Lara Croft. Je pensais qu'il fallait que j'attende qu'il sorte sur PS4. Je pensais pas qu'il l'ait mis sur 360. C'est quand même agréable de l'avoir trouvé en plus pour 30€. C'était super. C'est ça que t'es jeune encore. Ah, t'as tué t'as deux mecs une balle de pleine tête, t'as fait tout exploser un temps. C'est pas un voleur qui va t'arrêter. Ah, t'as trop parlé, t'as qu'à tirer avant. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Ah voilà, ça te fait une excuse pour amener ton pote avec toi. Voilà, excuse. C'est pas pour plaisir, là, c'est ce que tu voulais. Tu vas empêcher, soi-disant méchant, de prendre le truc avant toi. Mais c'est un scénario classique. Mais bon, si tu es Tomb Raider, on critique pas. Pour la peau de bonnet, poids d'échappe, on est ensuite de vie, ça fait moins 40. Non, c'est la fête. Bien mieux, j'ai quand même dans le premier épisode, c'est déjà bien. Alors un pantalon, on n'est pas en short. Jonah, si tu peux m'entendre, tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Alors, vivement que je m'en dis, c'est ça, je vais enfin commander. Je vais l'avoir pour la rentrée. Je suis mieux que sur cette chaise. Voilà, j'ai bougé la tête. J'ai pas bougé mon casque, il va falloir que je rachète encore un casque. Faut que je trouve un abri. Ouais, on va dans une grotte, on va les faire un feu. Là, où sont tes fringues là, tiens? Je dois continuer. T'as les deux piolets, mais t'as pas ton fringue. Bouge-toi. Un vieux campement. Et tu fais une glissade là, non? Ok. Super. Il faut que je fasse du feu. Sans blague. Mec, il faut pas aller par là, vas-y. Là, si, je vais quand même aller là-bas, mais je suis curieux. Elle va crever de froid encore quelques instants. Ça, s'il y a des blessures, on peut aller là. On sait jamais, peut-être des objets. C'est peut-être. Allez, voilà. Bois dur, utilisez le bois dur pour améliorer vos armes et faites quand même fabriquer des flèches. Ouais, c'est exactement comme Tomb Raider 2013. J'ai oublié ça. C'est avec des feux de camp, nos points de contrôle. Ok. Après, je pense qu'on va pouvoir. La map, c'était quoi déjà, select. Après, je pense qu'on va pouvoir faire des avances rapides comme ça. Ok, un peu comme dans l'autre Tomb Raider. Franchement, ça fait très longtemps que je l'ai fait très longtemps. Ça va rien dire non plus. Il y a deux ans, j'ai pas eu à Tomb Raider, à l'ancien. Il me faut des ressources pour construire un abri. Ah, c'est bon. Hop, t'as survécu, t'as les trucs. T'as un destin assez de ouf, t'as pas crevé avec une tempête, okay. Je te le dis. Ça devrait le faire. Pas suffisant. Pour toute la nuit. Il m'en faut plus. Non, j'ai soif, j'ai pas de bouteille d'eau de moi.
C'est assez sec pour brûler. Enfin, j'espère. Ça va, ça t'a un vent sec ici. C'est récent. Pas de quoi manger. Besoin des ressources, cueillir des plantes et dépecer les animaux pour arrêter les bruits. La peau, non ? Oh ! Oui, oui, on a bien vu ce qu'on a vu. Ben voilà au campement. Hey, où est ton putain de flingue ? Elle dit loup, t'es là sans flingue. Imagine pas, ça va vraiment être la selle d'abord. C'est vraiment que t'as un briquet. Hein. Ok, t'as galéré tout à l'heure à faire. À chercher trop bout de boîte, là tu fais une cabane. Nos hommes passent les ruines des montagnes aux belles fins. Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera. Qu'en est-il de l'escapé ? Ils continuent à nous résister. Mais dans peu de temps, on aura réussi à les soumettre. Bien. Les Trinitaires croient en vous. Les Trinitaires. Genre, là, qu'elle est là. Elle a capté leur canal. Voilà, l'arc. T'as des souvenirs, ça, Lara ? Moi, c'est... Moi, j'ai des souvenirs. Comme bizarre, t'as pas pris son flingue. Elle a son flingue en série. Et elle a pas son flingue. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière. Alors. C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Bon, mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Ta gueule, putain. Cet endroit cache quelque chose. Sinon, les Trinitaires ne seraient pas alors, à s'en faire glacer. Dégâts. Vitesse de tir. J'espère juste que Jonas est en charge. Qu'il a réussi à rentrer. Je ne pouvais pas le laisser me suivre. Pas cette fois. Mais, enfin pas. S'il lui arrivait quelque chose. Pas sa gueule un peu, elle. Violet, on peut aussi faire du corps. Faire aussi du corps à corps. C'est ma quête. Costume. Je dois la poursuivre seule. Choisir entre différentes armes et un type et menu qui font grâce aux différentes skins. Ok. Ah, c'est bon, t'as fini de parler là ? La meuf relou. Ça va ? Genre vous en cuir comme ça de, dans la neige. Non, regardez sa veste. Violet, on peut. Améliorer. C'est quand même bizarre qu'elle a pas son flingue. C'est vraiment, vraiment bizarre. C'est quoi ça? Outil fabrication. Ça. La scie rend la corde plus souple et qui rend le tir plus fluide et rapide. Okay. De toute façon, je vais améliorer l'arc à 100% de façon. Alors, pour ça, il y a. Et après, inventaire. Ah, les munitions, on va en parler. Pour l'instant, je peux pas. Flèche silencieuse, flèche normale qui tue en silence. T'as pas envie de chercher un nombre de flèches. Wow. L'équipement. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Carto de chasseur, carto robuste de taille moyenne pour augmentation de la capacité de transport pour tous les types de flèches. Ok. Carto d'aventurier, sacoche. Il faut des matériaux pour ça. Et j'en ai pas. Compétences. Ouais, ça fait comme l'autre alors. Ouais, dans les trucs de combat. Peau épaisse, les attaques armées au corps à corps des ennemis, vous affichez les dégâts. Peut-être cumulé avec la compétence incroyable. Explosion et le feu vous infligent beaucoup moins de dégâts. Ouais, pour l'instant, c'est optionnel. Esquive contre attaque, mettez les ennemis sans armure à terre pendant une esquive et puis sur Y. Ouais, ça c'est pas mal, c'était pas mal ça. Tueur efficace, les ressources des ennemis tués en mode furtif sont totalement récupérées. Ah! En plus, on va mettre ça vu que c'est le premier truc. Sautage de flèche. Vous avez des chances à récupérer vos flèches sur les ennemis tués à l'arc, ça c'est pas mal aussi. Si c'est ça, je suis sûr. Ok. Respect contrôle le temps de viser, sa visée augmente pour les tirs chargés. Augmente la quantité de munitions qui passe au cadavre.
L'animal brille quand vous utilisez l'instinct de survie. Les plus gros laissent des empreintes et des traces de sang facétieux. Ok, ça va. Je pense que j'ai vraiment kiffé ce jeu. Un fusil requiert des projectiles et des munitions plus rapidement. Les ennemis tués ou mis à terre par les objets transportables fabriqués. Ok. Ok, de toute façon, je peux rien monter, j'ai rien du tout. Et voyage rapide, c'est pour. Là, je peux pas parce que j'ai qu'un feu de camp. Ok.